journal, notre journal, Égypte-France. Nous espérons que vous appréciez ce travail. Société, spécialité culinaire, sport, littérature, information. Mais on a préféré la rubrique société, car elle traite les problèmes qui touchent les ados et les relations ados-adultes. On commence par société. Préférable thème pour tout le groupe, c'est résoudre le conflit avec tes parents. Je crois que c'est un problème qu'on doit affronter tout de suite. La liste des principaux sujets de querelle et notez quel changement vous pouvez opérer. Cela peut être bénéfique. Résultat, vos parents ficheront la paix. Et si vous voulez de partir en voyage avec quelques amis ou bien de faire n'importe quelle chose, vous pouvez leur proposer de faire quelque chose en échange. Par exemple, de garder vos petits frères et sœurs un samedi par mois. Cela peut être très utile et eux, ils vont accepter rapidement. Maintenant, cher ami, tu ne trouves pas que la vie est bien trop courte pour se perdre dans le pénombre des problèmes qui finiront par se résoudre. Voilà une lettre qu'on a reçue de notre père Joseph. Je me demande pourquoi les filles sont plus grandes que les garçons et pourquoi elles se moquent tout le temps de notre taille. Aya va répondre à toutes vos questions tout de suite. Je vais vous présenter un problème qui touche les filles et les garçons. Les filles à un certain âge deviennent plus grandes. Cela dérange les garçons. Mais ça c'est normal, parce qu'en général, le puberté commence avant celle des garçons. Mais il ne faut pas que les garçons s'inquiètent, car ils vont bien sûr les rattraper, même les dépasser. Pendant longtemps, les mamans sont restées à la maison pour s'occuper du ménage et des enfants. Mais maintenant, elles veulent travailler pour avoir l'indépendance et pour que la famille ait plus de confort. Du coup, les papas ont dû se mettre à participer à la vie quotidienne. Mais pour le moment, ils le font 3 heures de moins en moyenne et par jour que les filles. Allez Papouna, encore un petit effort. C'est sûr que les hommes font moins la vaisselle et le ménage. Je vais interviewer deux professeurs de l'Institut français discutant un thème très intéressant, c'est l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Bonjour, présentez-vous. Je suis Khaled Khabir, je suis professeur à l'IFE. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Léa Pratin, je suis professeur à l'Institut français de Moulin. D'accord. On va discuter un thème, c'est l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. À votre point de vue, est-ce que les femmes peuvent être présidentes? La femme, malgré que je supporte le travail de la femme, oui. Mais je ne supporte pas qu'elle soit présidente parce que sa nature
est complètement différente par rapport à la nature de l'homme. Chacun a sa nature, l'homme a sa nature, la femme a sa nature. Et si je vous donne un exemple, si je vous voyais par exemple la rose et le blé, il est impossible que la rose remplace le blé. Alors on va discuter un thème, c'est l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Une femme juge, pourra-t-elle gérer sa vie professionnelle et sa vie privée? Oui, bien sûr, je crois que la femme en général doit gérer sa vie, doit organiser sa vie professionnelle et sa vie privée. Sinon, elle risque d'avoir beaucoup de problèmes dans sa vie conjugale. Oui, d'accord. Que pensez-vous d'une femme juge? Bon, je suis tout à fait pour le travail de la femme en général et je crois que la femme peut aussi exercer son métier. Car la femme, elle possède toutes les compétences nécessaires pour permettre d'exercer son métier. Elle est compétente comme l'homme, elle est intelligente, elle possède aussi la sagesse, la patience. Donc, tout ça, ça. Il vaut mieux peut-être prendre la vie d'un homme à propos de ce sujet, pour voir. D'accord. De rien. D'accord, on vous remercie, madame. Et puis, sport. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 27 ans, il a été atteint d'une très grave maladie. En 1892, il a été de se suicider. Il a été interné dans une clinique à Paris où il a été mort. Mon patient a fait des études du droit. Il avait le goût du sport et du voyage. Il a visité la Côte d'Azur, l'Italie, la Tunisie, l'Angleterre. Pour ces raisons, il a publié 3 volumes du voyage. L'œuvre de mon patient est marquée par deux caractéristiques essentielles, sont l'abondance et la pessimisme. Le pessimisme de mon patient est révélé par les thèmes suivants, la mort, la solitude, l'impossibilité de communication entre les humains. La recette, c'est un crêpe au chocolat et aux confitures. Maintenant, on va faire une recette très bonne et très facile. C'est le crêpe. On a comme des ingrédients une œuf, du farine, une pincée de sel, du sucre et un beurre doré et un peu du beurre fondu. Premièrement, on va verser les farines dans cette saladée. Puis on va mettre une pincée de sel, puis une cuillère de sucre,
l'œuf et on va mélanger. Puis on va ajouter du beurre fondu. On va prendre la poêle pour mettre le mélange. Maintenant, on a fini tout. On peut ajouter un peu de chocolat ou du crème avec le confiture. Bon appétit! Et on termine par la littérature. Je vais vous présenter le poème que j'ai écrit moi-même, La vie. La moitié de notre vie, c'est la joie, c'est jouer, chanter dans le bois. Être joyeux nous rend sain, c'est le sourire d'un bébé en prenant un bain. Après un souci, on a de l'espoir, c'est manger un gâteau, acheter de la poire. L'autre moitié est la tristesse, c'est plaindre la vie chez la maîtresse. La vie s'obscurcissait et devient foncée, c'est rester seul et pleurer. La vie est rose, la vie est foncée. Dans les deux cas, il faut la supporter. Merci beaucoup pour votre attention.